Roll, Alabama, roll. To destroy the commerce of the North. Roll, roll, Alabama, roll. To Sherburg, Fort, she went one day. Roll, Alabama, American ships, one from the US Navy. Deux navires américains se sont battus là devant Cherbourg, l'un de l'US Navy, de l'Union des fédérés, et l'autre des États confédérés. À cette époque, les États-Unis étaient en pleine guerre de sécession. Nous venons ici quelques jours, car l'un de ces deux navires, le CSS Alabama, avait sombré au terme de ce combat, et son épave vient d'être retrouvée. Nous en profitons pour nous recueillir sur la tombe de trois marins américains qui ont perdu la vie durant ce combat. L'Alabama est le bâtiment le plus célèbre de la guerre de sécession. Là-bas au large, le 19 juin 1864, à quelques milles, s'est terminée la carrière fulgurante du célèbre croiseur. Son histoire mérite d'être contée. Dès le début de la guerre de sécession, le Sud est privé d'arsenaux, ses ports sont bloqués par la flotte nordiste. Pour résister, il n'y a qu'une issue, faire construire des bâtiments de guerre à l'étranger. Les liens privilégiés des sudistes avec l'industrie textile anglaise orientent le choix vers le chantier Laird Brothers, près de Liverpool.